destroy this temple, Jesus said, and I will rebuild it in 3 days. Yes, he was showing none is greater than him when it comes to construction. Salut et bienvenue, amis et fidèles de www.gospelcross.net. Nous voici aujourd'hui à un grand rendez-vous. On va parler sur la question de l'air qui est le ministère des bandes. C'est pourquoi aujourd'hui, on reçoit pour vous le frère Oscar Ngoï, à qui nous disons bonjour et bienvenue dans cette émission. Et bonjour mon frère Trésor. Que Dieu vous bénisse. Amen, que Dieu vous aussi. Pour l'historique, qui est frère Oscar Ngoï? Bon, frère Oscar Ngoï, c'est un chrétien. C'est un monsieur qui a cru le message du temps de la fin, a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais il a eu la révélation de pouvoir servir Dieu dans le ministère des bandes. Je suis ministre des bandes. J'ai été ordonné le 6 août 2014 par le révérend pasteur Ami Simon Ngoï. Comment avez-vous découvert le ministère des bandes? Bon, en lisant les brochures de Frère Branham, c'est là où j'ai eu le ministère des bandes. Pour la première fois, j'ai eu le CA dans un sermon, les questions-réponses sur les sceaux, paragraphe 32. C'est là où j'ai trouvé que Frère Branham disait que le ministère des bandes est une chose mondiale. C'est un ministère mondial. Oui, frère Oscar Ngoï, comment avez-vous saisi la vision alors que c'était considéré comme une secte? Bon, quand j'ai quitté les églises, j'étais devenu cavalier seul, alors qu'un frère, m'avait invité chez lui pour écouter les bandes. Nous avons écouté les bandes. Bon. Après avoir écouté cela, bon, c'était comme un vœu nouveau. Alors j'ai trouvé que ça, c'est ce qu'il fallait. C'est ça la volonté de Dieu pour aujourd'hui. Alors à partir de ce moment-là, j'ai commencé à écouter uniquement Frère Branham jusqu'à aujourd'hui. C'est depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. Il y a de cela 6 ans. Jusqu'à aujourd'hui, je ne fais qu'écouter Frère Branham. Comme dans toutes choses, vous avez eu un début et chaque début a été difficile. Et jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans cette mission? Bon, dans cette mission, la grande difficulté, ce sont les dénominations. Ce sont les églises qui sont contre les ministères des bandes. Alors, quand nous avons organisé une campagne d'évangélisation, dans le milieu public, du 22 au 24 août 2015, nous avons trouvé beaucoup d'handicap par de nos frères, les ministres. Alors, nous étions presque excommuniés. On nous a persécutés. Bon, tout ça, c'est conformément au message. Parce que Frère Branham dit dans le sermon, le roi rejeté, page 16, il y a un groupe de ministres qui lui disait qu'il retire ses bandes dans la circulation. Bon, alors Frère Branham avait refusé. Alors, je peux lire une citation ici. C'est l'unité du 11 février 1970, paragraphe 231. Hier soir, arrivé même de Kansas City, un petit frère polonais s'est tenu ici, il est venu, a été conduit. Il a dit, Frère Branham, depuis la première fois où j'ai entendu parler de vous, là-bas au Canada, il y a plusieurs années, et des choses que vous avez vues et que vous avez faites, j'ai vérifié ça d'un bout à l'autre, dans tous les sens possibles. Et dit-il, il n'y a jamais eu une seule de ces choses qui ait été fausse. C'est probablement un polonais catholique. Et voilà qu'il vient ici, il prend les bandes, il va les faire jouer au dehors et rencontrera de l'opposition. Des prédicateurs qui devraient être avec moi et en train de nous aider, mais qui nient ce qui en fait la force, niant la vérité de la parole
et déclarant avoir le Saint-Esprit. C'est toujours les prédicateurs depuis Frère Branham qui sont contre le ministère des bandes, les dénominations. C'est toujours eux qui sont contre Frère Branham, qui sont contre Frère Branham. Ils se proclament avoir reçu le Saint-Esprit. Et ce peut que vous n'aimez pas les prédicateurs, c'est pourquoi vous obtenez les bandes? Non. Moi, j'aime tous les prédicateurs. Moi aussi, je suis prédicateur. Comment ne puis-je pas aimer les prédicateurs, mes collègues prédicateurs? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est la grande vision. Amos avait vu quelque chose. Je peux lire dans la Bible, Amos 8, versets 11 à 13. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'Orient, ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Alors, à partir d'ici, l'ange du Seigneur a parlé à Frère Branham et lui a donné la commission, lui a donné des songes et des visions pour emmagasiner la nourriture, comme on a prédit la famine. C'est pourquoi Frère Branham a parlé ça dans plusieurs endroits. Moi, je peux lire quelques-unes. Là, c'est vraiment la voix d'un vrai prophète de Dieu. Frère Branham dit ceci. Permettez-moi de demander ceci. Maintenant, je ne sais pas quand je vous parlerai de nouveau. Ça dépendra de Dieu. Je ne fais qu'emmagasiner la nourriture, comme il me l'a dit dans la vision. Cette fois-là, la mettre dans les tonneaux. Vous nous demandez peut-être comment Amos a-t-il pu prévoir ce qui allait leur arriver. Pourtant, tout semblait bien aller. Regardez maintenant, regardez un peu. Bon, écoutez bien. Écoutez bien, parce que tout ceci est enregistré. Et ça va, et ça ira dans le monde entier. Voyez maintenant. Alors, Frère Branham en a aussi parlé, s'est rangé du côté de Jésus. Paragraphe 103 et 105, la plus grande bataille jamais livrée. 303 jusqu'à 325. Je peux prendre 312 et 313. Et ce batelier, ok, il a dit, et retourne là-bas, il a dit, il n'y a qu'un seul petit magasin dans tous ces pays. Un seul petit magasin. Et tu n'as qu'à y emmagasiner. Tu as qu'à y emmagasiner des provisions en abondance. Il a dit, et ils resteront ici pendant que tu seras parti. Mais il a dit, il faudra que tu emmagasines des provisions. Et là, j'en commandais de toutes sortes, des choux et des navettes et des radis et tout. Je les entassais là-dedans, comme ça. Alors, je me suis réveillé. Je ne savais pas de quoi il s'agissait, mais maintenant, je le sais. Voyez-vous, nous emmagasinons les provisions, frère. Cette vie en est une où vous devez marcher seul. Paragraphe 325. Alors, c'est ce que j'ai dit ce matin. Il s'agit d'emmagasiner de la nourriture. D'emmagasiner de la nourriture pour que vous ayez de quoi manger, pour que vous ayez de quoi festoyer. Allez la chercher sur vos bandes.
Asseyez-vous à la fraîche dans la chambre. Peut-être qu'après que je serai parti depuis longtemps, vous vous souviendrez encore que ces choses sont vraies. Asseyez-vous dans votre chambre et écoutez. Voyez, ceci c'est la nourriture, l'emmagasinage dans le magasin. Je ne sais pas où mène le voyage, mais où que ce soit, c'est lui qui conduit. Il sait où. Non pas, je ne fais que suivre. Ça c'est prophétie d'emmagasinage. Je peux ajouter Christ et le mystère de Dieu révélé. Christ est le mystère de Dieu révélé, paragraphe 90. Messie, est-ce le signe du temps de la fin? Page 19, page 20. Vous pouvez lire ça. Ok, frère Oscar Ngoy. Est-ce que vous avez les citations de Frère Branham qui soutiennent et reconnaissent l'écoute des bandes comme un ministère à part entière? Oui, il y en a assez, mais nous pouvons prendre quelques exemples. Le sermon intitulé « Le témoignage du 28 novembre 1963 ». Je dois lire paragraphe 18 et 19. Maintenant, dans toute ma vie, il semblait que j'aimerais aller dans l'Ouest. Et beaucoup d'entre vous en ont lu l'histoire et entendu le bande. Le ministère des bandes est une chose mondiale, partout. Je pense que c'est la seule manière que Dieu possède pour répandre le message jusque dans les régions les plus reculées des païens, là où elle doit être traduite. Et en Allemagne et tout le reste, ils ont reçu des bandes qu'ils amènent à leur congrégation, constituées de centaines et de centaines de gens. Et ils placent des petites choses dans leurs oreilles et les font tourner sur une bande. Et juste comme je suis en train de parler, le ministre se tient là, faisant la même expression, mais dans d'autres langues, faisant sortir cela devant des centaines de gens. Et des centaines de gens sont sauvés et guéris seulement par les moyens des bandes qui vont à travers le monde. Le tout étant en anglais, mais étant traduit dans beaucoup, beaucoup de différentes langues de tribus qui sont partout dans le monde. Nous avons de l'air nouvelle par correspondance. Je n'ai pas encore ajouté le signe du 1er septembre 1963, paragraphe 391. Là, il a dit que quelqu'un se glissera en Jéricho avec une bande. Alors, quelqu'un se glissera en Jéricho avec une arme pour attraper la semence prédestinée. Ça, c'est un ministère. C'est ce qu'il a dit là-bas, dans là où j'ai cité là, le signe de 63, paragraphe 391. Dans les âmes qui sont en prison, paragraphe 309, il dit que y a-t-il si longtemps que Dieu use de patience, que le ministère sans cesse par les bandes et tout ratisse le monde entier, pour voir s'il y a encore un. Mais peut-être que le dernier est entré dernièrement. Le feu rouge signe de sa venue. Frère Branham dit encore, j'ai rassuré des bandes pour le ministère international. Les trois sortes de croyants, paragraphe 29, il dit encore que les bandes, c'est un ministère. Et je voulais que nous nous considérons nous-mêmes ce soir, tandis que je parle de ces trois groupes, afin de voir dans lesquels nous sommes maintenant. Rappelez-vous, je parle peut-être à cette église-ci, qui est de nouveau pleine ce soir. Elle est loin des murs et dans les corridors. Mais je parle aussi au monde entier. Vous voyez? Et ces bandes circulent dans toutes les parties du monde.
c'est le ministère des bandes. Ça, c'est Frère Branham. Alors, après tout, Frère Branham a dit ceci dans le sermon Hébreux chapitre 1, paragraphe 105. Eh bien, Paul disait cela à son auditoire hébreu. Et il n'avait pas d'enregistrement, comme nous en avons ici aujourd'hui. Mais ils avaient les scribes qui étaient assis là, transcrivant cela exactement au moment même où Paul prêchait cela. Et voilà ce que nous avons ici même. Nous enregistrons cela avec des enregistreurs. Et ces bandes parcourent le monde entier. Voyez-vous, pour montrer que c'est la vérité, notre religion n'est pas vaine. C'est réellement Jésus-Christ ressuscité. C'est la même chose. Nous ne devons pas négliger cela. Nous ne pouvons pas négliger le mystère des bandes. C'est un peu ça en bref. Là où Frère Branham a cité le ministère, le band en tant que ministère. Oui, Frère Oscar, voulez-vous que les pasteurs puissent seulement jouer les bandes dans leurs églises? Bon, c'est Frère Branham qui dit que le pasteur joue les bandes dans leur église. Ce n'est pas moi qui dis. Je vais lui réussir. La parole parlée est la semence originelle. Paragraphe 12. Maintenant, nous te prions d'amener les cœurs à te comprendre aujourd'hui, ceux qui ne te comprennent pas. Amène les pécheurs à la repentance. Amène les malades à connaître Dieu par la guérison. Ô Dieu, bénis tes saints et attache-les les uns aux autres par les liens du cœur. Et alors que ces enregistrements iront dans les villes et dans les églises, partout, vers les nations tout autour du monde, puissent les frères dans le ministère, qui autrefois avaient peut-être mal compris, comprendre maintenant, afin que ton église puisse être préparée. Ce sont les bandes qui préparent l'église. Ce sont les bandes qui ramènent le prédicateur, qui que ce soit. Pour que l'église puisse être enlevée, il faut qu'on joue des bandes. Que les gens écoutent eux-mêmes les sons de la voix de la résurrection, la parole de Dieu enregistrée, la voix de Dieu enregistrée, le Saint-Esprit qui a parlé à travers le corps humain. Et aujourd'hui, vous conseillez aux brebis qui sont dans des églises où les bandes ne sont pas jouées de quitter leurs églises? Les brebis qui sont dans l'église où les bandes ne sont pas jouées, Frère Branham dit dans le sermon « L'union invisible ». L'union invisible de l'épouse. Bon, en bref, qu'ils sortent pour aller là où les bandes sont jouées. Oui, qu'ils sortent pour entendre la voix de Dieu enregistrée. C'est ce que Frère Branham a dit ici, le sermon L'union invisible, paragraphe 339 jusqu'à 345. Si vous pouvez. Il a dit quand l'aigle écoute, entend la voix de mère aigle. Je lis dans le sermon L'union invisible de l'épouse de Christ. Prêché le 25 novembre 1965. Et vous, les ministres qui êtes à Tucson ce soir, je ne vous tiens pas pour responsable de ça. C'est Dieu qui le fait. J'ai été là-bas pendant 3 ans. Je vous avais dit que je n'ouvrirai pas d'église. Je ne l'ai pas fait. C'est Frère Péricrine qui en a ouvert une. J'ai été là-bas pendant 3 ans et vous ne m'avez pas invité une seule fois à votre chair. Je suis resté à Tucson pendant presque 3 ans. Dieu va me retirer du désert. Un de ces jours, ce message doit vivre. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour me faire accepter parmi vous. Et je sais pour quelles raisons vous avez fait ça. Vous m'entendez? La seule raison pour laquelle vous avez fait ça,
c'est parce que votre dénomination vous aurait mis à la porte. Et vous le savez, beaucoup d'entre vous, je vous ai parlé là-bas, au restaurant Four. Et vous savez que c'est la vérité. Honte à vous. Sortez de là. Sortez de là, frère. S'il y a un temps, soit paix de vie en vous, vous serez comme ce petit aigle dont je viens de parler. Vous entendrez la parole de Dieu. Souvenez-vous, un de ces jours, vous entendrez ceci pour la dernière fois. Nous en sommes tout proches maintenant. Ne voulez-vous pas venir ce soir? Je peux enchaîner avec 341. Que les gens qui sont ici, visibles, qui ont levé la main ce soir, des douzaines dans tous ces grands tabernacles, j'ai prié au Dieu qu'une vie nouvelle entre en eux. Cette prière, je la fais pour ceux qui sont d'un bout à l'autre du pays et même partout dans le monde. Et là où on passera cette bande, afin qu'eux aussi reçoivent ce message d'action de grâce et qu'ils sachent par allusions qui ont été faites et tout. Ce qu'ils doivent faire, c'est ma prière, Père, accorde-les, bénis-les, ils sont à toi. 344. Alors je te prie, Père, d'appeler chaque semence ce soir et tout autour du monde, partout où ceci pourra se retrouver. Puisse cela atteindre ce petit aigle qui connaît la voix de son Seigneur. Accorde, Seigneur, je te prie au nom de Jésus-Christ. Alors, dans le sermon, le moins du temps de la fin, 276, Frère Benham a dit que je ne prie pas pour les dénominations, mais quand les enfants de Dieu entendront, écouteront cette bande, ils sortiront des dénominations. Dans Reconnaître votre jour et ce message 108, Frère Benham dit ceci. La dénomination d'Église d'aujourd'hui, s'ils pouvaient seulement reconnaître pourquoi ils sont condamnés et leurs membres s'enfuient loin d'eux, comme Israël a fui de l'Égypte. Si les dénominations arrêtaient seulement de condamner les bandes et les écouter, et vous, prédicateurs, qui êtes à l'écoute de cette bande, écoutez bien. Si seulement vous reconnaissez l'air où vous vivez, si seulement vous reconnaissez le signe du temps, vous verriez pourquoi les gens fuient ces dénominations. L'Esprit du Seigneur qui appelle, nul ne peut venir à moi, a dit Jésus. Si mon Père ne l'attire, et tout ce que le Père m'a dans le passé, viendront. Alors, c'est un peu ça. Ceux qui sont dans les dénominations, il faut qu'ils sortent pour entendre les cris des commandements, pour les rassemblements. Parce que Frère Benham dit dans le sermon question-réponse du 27 mai 1962, paragraphe 172 jusqu'à 180, il dit que les semences vont être divisées dans les journaux et dans les ouvrages. Alors les élites de Dieu, les prédestinés de Dieu, vont se rassembler autour des ouvrages, alors que là-haut, Christ viendra. Quel est votre conseil pour les prédicateurs? Bon, pour les prédicateurs, bon, je ne sais pas s'il s'agit de quel prédicateur, parce que Frère Benham a dit dans le sermon, les noms blasphématoires, il a dit que si les prédicateurs veulent jouer les bandes dans leur église, ça les regarde. Mais les bandes regardent seulement le mien. C'est pour mon troupeau. C'est pour le troupeau de Frère Benham. Alors, les bandes, ce n'est pas pour tout le monde. Les bandes, c'est pour des semences prédestinées. Frère Benham, c'est Eliezer qui a été envoyé pour chercher Rebecca. Alors, Rebecca doit écouter Eliezer. Elle ne peut pas écouter une autre personne en dehors d'Eliezer. Un mot pour tout le monde et toute personne qui vont vous suivre dans le monde entier. Bon, je remercie tout le monde qui va me suivre dans le monde entier. Alors, je les encourage d'écouter les sons de la voix du septième ange, la voix qui est enregistrée. Parce que cette voix change des hommes et des femmes. C'est la voix de la résurrection. C'est la trompette des rassemblements. Alors, c'est cette voix qui sort du désert pour ramener toutes choses, ramener
le prédicateur, à ramener les croyants, à ramener toute personne. Alors, je les encourage de pouvoir jouer des bandes dans leurs églises, dans des maisons, partout. Parce que Frère Banama a dit que ces bandes seront jouées dans des maisons déserts et déserts. Ça, c'est l'ordre de l'église de 63, paragraphe 161. Il a dit dans paragraphe 162 que les ministres s'assoient et écoutent les bandes. Il a encore dit ça dans la voix d'un vrai prophète. Il a dit encore 360 à 362. Il a dit que le ministre écoute cette bande et qu'il se répande. Bon, alors aujourd'hui, la seule manière, la seule voix qui peut sauver les gens, c'est la voix de Dieu enregistrée sur la bande. C'est ça ce que j'encourage mes frères et sœurs dans le monde entier de jouer les bandes. Jouer les bandes partout. Même si une femme, Sœur Kid a joué des bandes, Sœur Cox a joué des bandes, Frère Kid a joué des bandes. Frère Banama a dit dans le sermon, le Dieu de cet âge mauvais, paragraphe 25, il a dit, si vous avez un magnétophone, réunissez les bandes, réunissez les gens et jouez la bande. Alors, la bande, c'est pour n'importe qui, même un pécheur, joue la bande. C'est ce que je peux dire. Votre mot de la fin. Bon, le mot de la fin, je sais que Dieu nous a donné un précieux message, et ce message se trouve dans la Bible. Nous venons de lire Amos. C'est une prophétie de longue date. Alors aujourd'hui, cette prophétie s'est accomplie. Alors j'ai dit à mes frères qui disent que l'écoute des bandes, c'est une secte, ainsi de suite. Non, ce n'est pas ça. C'est la prophétie. C'est la prophétie qui s'est accomplie aujourd'hui. Amis et fidèles de www.gospelcross.net, ainsi prend fin notre entretien d'aujourd'hui. Nous avons reçu le frère Oscar Ngoï et nous avons parlé sur le ministère des bandes. J'ai été aidé à la caméra par le frère Alfred Ntumba. Moi, c'est Trésor Baya. Que Dieu vous bénisse. We'll be right back.